Le cinéma, épisode 12. On est dans mon garage, à Sept-Îles, chez nous. Fait changement. Tiens, on va faire le podcast sur un banc ici. Rien de moins. Bon. En plus, ça tombe bien, un podcast sur le cinéma québécois. Fait que rien de moins qu'être en région éloignée québécoise, dans les pays d'en haut, pour parler du cinéma québécois. Fait que c'est ça, si. Ça fait longtemps que j'en parle, je dis que je vais le faire, je le fais pas, c'est parce que Chris que c'est de la job, man, ça fait genre 2 mois si je travaille là-dessus. Fait que ça va être un bon podcast. Un peu, j'essaie de quoi de nouveau, là, j'ai des notes, beaucoup de notes. On va faire, c'est plus proche du cours magistral que du podcast funny. On va essayer de rendre ça intéressant pareil. Mais j'essaie de quoi de plus, un peu plus factual. Puis c'est ça, cinéma québécois, je vais pas ratisser large, je vais essayer de garder mon range pas assez assez comme, mais on va si j'ai bugué, c'est-à-dire pas, je vais pas embarquer dans le cinéma québécois contemporain, on va laisser ça de côté, même post-révolution tranquille, je toucherai pas à ça. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc, c'est le cinéma québécois de 1896 à 1958, 59, 60. On ne dépassera pas ça. Je vais. Fait que c'est vraiment d'essayer de comprendre la base du cinéma québécois, d'où ça vient, puis comment. D'où l'identité du cinéma québécois vient. Comment qu'elle s'est construite avant la Révolution tranquille? C'est quoi les bases du cinéma québécois? Les bases identitaires? Est-ce qu'il fait pas chaud, man, site? Si mon père, je dis, Chris, mets-toi un poil à bois, man, site. On va être bien, un petit poil à bois. Mais non, il l'a pas fait. Je voulais faire le podcast en plus. Non, c'est calme. Je voulais faire le podcast dans le garage de mon ami Sébastien. Mais finalement, il est parti à Québec. Ça aurait pu être cool, le style, avec les gros. Ben, okay, au moins, il a un beau drapeau québécois. Avec plein de petits drapeaux bizarres, on aurait pu faire ça dans son garage avec un skidoo en arrière, puis un poêle à bois, puis en tout cas, un L12 à côté. Je pense que ça aurait pu être cool, mais bon, il est parti à Québec hier. Ben là, hier, OK, on va faire semblant qu'on est le 1er janvier. Fait que, bonne année, c'est 2020! On commence la décennie avec un podcast au cinéma québécois, ça peut juste bien aller. Je vais le sortir le 1er, mais là, on est le 20 quelque chose, là, fait que ça n'a pas rapport. Fait qu'en tout cas, on va essayer de commencer. Donc, le cinéma québécois, avant la Révolution tranquille, ça commence où? Ça commence à Montréal. C'est ça. Je tiens d'ailleurs à dire que j'ai déjà parlé du cinéma canadien dans l'épisode 9. Je vais essayer de pas trop me répéter. Mais c'est comme un peu impossible de parler du cinéma québécois sans parler du cinéma canadien. Parce que à travers l'histoire du cinéma canadien versus québécois, ça permet de comprendre comment l'identité du cinéma québécois s'est forgée. Puis, au Québec, c'est beaucoup l'Église, là. Ça va être quelque chose qui est vraiment comme omniprésent. L'Église a comme eu un impact, là, qui va, sur ce qui va devenir le cinéma québécois, ou du moins ce qui va le définir avant la Révolution tranquille, dans les années 40-50, notamment. Le reste du Canada a tout le temps semblé beaucoup plus laxiste, beaucoup plus mou par rapport au cinéma. On a, le reste du cinéma canadien, ça n'a jamais été quelque chose qui leur tentait vraiment de faire. Ça a été axé plus sur l'industrie capitaliste, alors que le Québec, dès les débuts, là, c'est toujours organisé autour d'une question identitaire, du moins, ou quelque chose. Puis je vais juste lire un passage, je vais commencer de même, parce que ça explique bien comment le cinéma québécois, dès le début, là, on est en 1896, puis en juin 1896, puis dès là, on voit qu'il y a une différence qui va se faire entre le cinéma québécois et le cinéma du reste du Canada.
Je vais le lire, là. En tout cas, c'est un peu plate, mais bon, je trouve que c'est quand même bien intéressant. C'est en anglais, pardonnez-moi mon anglais de marde, de cul de Christ, de sacrement. Non, c'est pas vrai. C'est ça. In June 1896, scarcely 6 months after its premiere in Paris, the Lumière Brothers cinematograph was entertaining astonished audiences in Montreal with its moving pictures of scenes from Europe. A month later, in Ottawa, Edison's Vitascope brought its version of this new entertainment marvel using American scenes. This division in content symbolized the conflicting universes, European and American, that were Canada's attachments at the time. The two events also serve as a metaphor for the evolution of cinema in the Canadian state. For cinema produced in English Canada, the result has been a continual struggle to imitate, however poorly, the enormous success of the American film industry and to differentiate itself from its domineering cultural norms. For Quebec cinema, the result has been a different struggle, in which national aspiration and cultural differences based in religion and language have been used to build a distinct film identity on the basis of a relationship with France and Europe. That Quebec was first of the mark in viewing moving pictures gave it a certain symbolic head start as far as future films are concerned. This book argues that this head start, even a century later, remains intact. English Canada has fought valiantly, but with much less success than Quebec, to carve out a distinct niche for itself in the overpowering shadow of Hollywood. The differing cultural requirements of these competing national projects are the cause of this dissimilarity. Fait que c'est ça, c'est la mince avance qu'on a eu dès le départ, ben elle a eu un impact finalement symbolique, il dit, par rapport à comment le cinéma ici s'est développé. Comme il dit, la différence de religion et de langage du cinéma anglais, du reste du Canada anglais, a comme été super importante. Puis c'est l'Église qui est bien important. Il faut garder ça en tête parce que c'est comme ça que ça va s'en venir. Fait que le cinéma commence le 28 juin 1896, comme je viens de le dire, avec la première projection publique au Canada, mais pas juste au Canada. Ça se passe au Québec, à Montréal, au coin de Vigée-Saint-Laurent. Où je l'ai déjà dit, mais oui. Anyway, c'est ça. Avant tout le reste du Canada, comme l'a dit Melnick dans le book ici. Les frères Lumière viennent présenter leur film par un certain Louis Minier, un opérateur des Frères Lumière. Et je veux juste faire une remarque ici. Dans le podcast sur l'histoire du cinéma canadien, j'avais dit le français François-Louis Minier. Mais c'est une erreur de traduction qu'il y avait dans ma documentation où il disait, c'était écrit, c'était mal traduit, puis c'était écrit François-Louis Minier. Mais dans le fond, c'est le français-Louis Minier. En tout cas, fait que c'est ça le principe. J'espère que je ne vais pas manquer de soleil parce que l'éclairage change vite à cette heure-là. En haut du 50e parallèle, man, Chris, ça tombe à 3h le soleil. Je sais pas, il est quelle heure? Il est midi. En tout cas, anyway. Donc, c'est ça, juste la petite erreur. C'est pas François-Louis Minier, c'est le français Louis Minier, l'opérateur des Frères Lumière. Anyway. En 1898, il y a un autre opérateur des Frères Lumière qui aurait tourné un film en sol québécois. C'est un film intitulé Danse indienne. Il aurait filmé ça à Kahnawake avec les Indiens. Puis, c'est le seul film au Québec tourné au 19e siècle qui s'est rendu jusqu'à nous autres. À ce moment-là, même au 19e, il y a des films qui sont importés au Québec, qui sont vus, des films de sûrement des affaires de milliers, des shit de même. Mais même pas, là, tu sais, c'est très, très des films bien, bien puritains, puis bien, bien liés à la religion, parce que déjà là, l'Église est pas down avec ça. J'ai le lien de Danse indienne, si vous voulez le voir, il y a un lien YouTube, je vais mettre ça dans la description, dans la bibliographie détaillée à la fin du vidéo. Comme dit Jean-Jacques Dantel. Anyway. Donc, au 20e siècle, 1900, 1910, 1920, au tournant du siècle, en 1900, il y a le Théâtre national qui ouvre ses portes. Des films sont présentés à travers des shows de vaudeville. Bon, on est encore à une époque où le cinéma est appelé un cinéma of attraction. Rapidement, le cinéma of attraction, c'est un cinéma qui est un concept qui définit le cinéma pré-1907, où le cinéma était pas encore un thing per se. C'était pas quelque chose en soi qui était reconnu. C'était comme un art de cirque, c'était plus proche de la magie,
puis du spectacle de théâtre que, t'sais, que du cinéma. On n'appelait pas ça vraiment encore comme ça à l'époque. Fait que dans le Théâtre national qui ouvre ses portes, c'est le plus vieux théâtre francophone qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle le National. Je pense que c'est dans le village. Anyway. C'est le plus vieux théâtre francophone. Le premier théâtre et le plus vieux théâtre francophone en Amérique du Nord. Bon. Mais tout commence en 1907 avec Louis-Ernest Ouimet. Parce que là, lui, c'est le pionnier des pionniers. Là. Lui, c'est lui qui a son nom marqué. En 1906, il ouvre le fameux Ouimetoscope, qui est aujourd'hui au YW, dans le village, en face du métro Baudry. Qui est le premier cinéma permanent d'Amérique du Nord l'année d'après, le 18 août 1907. Il y a un autre théâtre qui ouvre, l'Orphéum. Lui, il fait 1100 places, mais 15 jours après, Ouimet, il en ouvre un de 1200 places. Donc, lui, il est pas niaisé. C'était plus grand, un des plus grands d'Amérique à l'époque, 1200 places. Le cinéma du parc, c'est 300. C'est comme fois 4. Imagine, c'est-tu comment il y a du monde là-dedans. Là. C'est gros. Mais tu vois, en 1907, en même temps que lui, que Ouimetoscope ouvre son gros théâtre, il y a déjà l'église qui niaise pas. Puis il y a l'archevêque Paul Bruchési qui demande est-ce que les cinémas soient fermés le dimanche. Fait que ça va en cours. Finalement, Ouimet, il gagne son cas en 1912. Mais en 1913, c'est long, là, de 1907 à 1912, il y a eu un battle entre l'église. Puis Ouimet, finalement, il a gagné en 1912. Mais en 1913, la première institution de censure va voir le jour. Fait que tu vois, il n'y a pas moyen, esti, de faire quoi que ce soit. En 1914, la guerre commence, mais il y a plus de 100 salles de cinéma à Montréal. Bon, je n'aimerais pas toutes, là, il y en a plein, puis ça sert à rien de les nommer. Mais il y a un article de la Gazette que je vais mettre dans la bibliographie détaillée à la fin de la vidéo. Pour aller voir. Mais des belles, belles photos du temps. Ça, c'est comme, il y a la photo d'avant, puis la photo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bon. Mais anyway, pendant ce temps-là, au début de 1907 à 1914, jusqu'à dans les années 20, Ouimet, ben, il essaye de développer une industrie cinématographique au Québec, malgré lui. Il réalise quelques films. Ses films sont assez populaires au Québec, puis il distribue aussi plusieurs films de France et des États-Unis, dont la très connue série Les Périls de Pauline avec Pearl White, qui est une des plus grosses, les plus connues séries de l'époque. Si quelque chose à ma mère fait un bruit de merde. Fait que c'est ça, là, il va filmer des événements d'actualité, genre le pont de Québec, les funérailles de Wilfrid Laurier, puis l'explosion d'Halifax en 1917, qui est d'ailleurs quelque chose que je veux faire une pause ici, là. Je sais pas si vous étiez au courant de ça, moi non, peut-être c'est moi qui ai cave, là. Mais en 1917, il y a eu une explosion à Halifax entre deux bateaux de guerre qui transportaient de la dynamite. Écoute, ça a rentré un dans l'autre, ça a explosé. Ça a été jusqu'aux explosions de Hiroshima la plus grosse explosion due à l'activité humaine de l'histoire de la Terre. Pendant des années, là, des dizaines d'années, ça a été la plus grosse. Chris, c'est tellement gros qu'il y a eu un tsunami. La ville d'Halifax a été décalissée au complet. Puis il y a plein de morts, là. En 1917, Halifax a eu la plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité due à l'être humain. Ça s'est passé jusqu'à temps que Hiroshima saute, c'était la plus grosse. La plus grosse dans les livres de records. C'est capoté. En tout cas, revenons à Ouimet. Ouimet connaît un bon succès avec ses tentatives de fiction, mais ça. En fait, ses actualités vont bien marcher, mais ses fictions vont pas vraiment fonctionner. Le succès financier qu'il connaît avec ses cinémas, par exemple, vont l'amener à tenter sa chance aux États-Unis, puis il va partir en 1923 pour essayer de faire un film qui va s'appeler Why Get Married. Ça va être un échec, il va revenir ici, faire faillite. Il va finalement finir sa vie à s'occuper du cinéma impérial, à Station Place des Arts, pour un bout de temps, puis là, c'est ça. Mais là, ça, c'est Ouimet qui fait ça, lui, de 1900 à 1920, 25, puis fait ça. Fait ses petits films, ça roule, va faire son film aux States, il revient, il fait faillite. Mais en même temps, dans les années 10, puis jusqu'à la moitié des années 20, il y a un gars qui s'appelle Joseph Arthur Homier, qui tente aussi de faire des films. Lui-même, il crée une maison de cinéma qui s'appelle le Bon Cinéma National Limited. Il essaye quelques films de fiction, pas trop hot,
qui rapidement plaisent pas tant à l'église. Un film qui s'appelle Oho Jean, puis un autre film qui s'appelle La drogue fatale. Ça a vraiment, ça a pas survécu à l'épreuve du temps. On sait juste dans un record que ça existe. On sait pas ce qui est arrivé avec ça, mais La drogue fatale, une espèce de film de jeunes qui prennent la drogue, qui essaient de faire chanter un policier. Quand même trash. Je pense que c'est genre 1922, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, on peut quand même faire une mention à Nanook of the North en 1922 aussi, d'ailleurs, qui a été tourné dans le nord du Québec, qui est un film très, très important. Ça n'a pas été tourné par des Québécois, pantoute, mais ça a été tourné au Québec quand même. Fait que shout-out à notre territoire. Shout-out à Nanook. Qui s'appelait fuck all Nanook, là, mais en tout cas. Fait qu'à la sortie des années 20, là, il y a Ouimet, il y a Aumier. On a essayé de créer une industrie cinématographique. Mais la fiction marche pas à cause qu'elle n'est pas rentable, à cause que c'est un produit privé. C'est pas rentable, il n'y a pas assez de monde qui va au cinéma, le marché est trop petit, c'est des cinémas, tu sais, c'est francophone, ça marche pas, ça s'exporte mal. Fait que c'est pour ça que Ouimet, mais tu sais, il produisait, mais aussi il avait sa scène de cinéma, fait qu'il était pas pauvre, mais Aumier, ça a pas marché son affaire. Puis en plus, t'as l'église qui se met dans les pattes. Fait que c'est ça, les petits films d'actualité marchent, mais pas plus que ça reste assez ennuyeux puis vide au final. On est loin d'une industrie cinématographique de fiction qui fonctionne. Ouimet, Aumier, finalement, jette l'éponge à la fin des années 20. Pour résumer les années 20, en plus de tout ça, ce qui se passe à l'extérieur, c'est que en 1920, Adolphe Zukor, il achète le Paramount Player, il achète la Paramount. Puis la Paramount, en fait, c'est que les cinémas à travers le Canada, qui s'appelle la Famous Player Corporation of Canada, enfin de même, c'est la plus grande chaîne de cinéma au Canada. Mais Adolphe Zukor, il les achète toutes. Fait que là, ça devient comme, tu sais, il pogne bien raide parce que le Canada s'en calisse du cinéma. Fait que là, lui, il prend tout le contrôle, fait que, dont les chaînes de cinéma ici. Mais l'année de marde, là, c'est 1927. Il y a la loi sur les quotas quickies qui rentre. Je vous rappelle les quotas quickies, qui est une loi instaurée par le Royaume-Uni qui voulait que 20% des films qui étaient projetés en Angleterre devaient provenir d'un pays du Commonwealth. Donc, ça a entraîné une production au Canada, puis dans les pays du Commonwealth ailleurs, qui étaient des espèces de films poches de série B, juste pour combler le pourcentage nécessaire que l'Angleterre demandait. Puis il y a bien des Américains qui sont venus tourner des films de marde ici, juste pour faire un peu d'argent. En tout cas, Quota Quickies, Google It, va voir mon autre podcast, Cinéma Québécois, je les explique bien. Fait que le cinéma, en plus, en 1927, le cinéma devient parlant. Symboliquement, le cinéma, ça a été long avant qu'il devienne parlant, pareil, mais en 1927, il y a le Jazz Singer. Puis là, de plus en plus de films au son se font, puis là, ici, on n'est pas capable de catch-up ou deux scènes. Le producteur demeure. Si la production demeure privée, on peut pas produire de films en son, ça coûte trop cher, puis ça revient pas. Pour la cerise du Sunday, en 1927, le feu pogne au Laurier Palace Theater, puis 78 enfants sont tués. Fait que, ce qui va faire que les enfants de moins de 16 ans vont être interdits dans le cinéma jusqu'en 1967. 1967, c'est long en esti, là. Pour finir du bon pied, ben en 1929, c'est le crash. Fait que ça roule pas. Ça roule pas tant. Les 20s au Québec sont pas glorieuses, vraiment. Ailleurs dans le monde, on a passé à travers l'expressionnisme allemand, le montage soviétique, la première avant-garde de Ferdinand Léger, de ces gens-là, Man Ray, Salvador Dali faisait des films, Louis Buñuel, tu sais, je veux dire, ailleurs dans le monde, il y avait du cinéma. Ici, on a peur d'un divertissement considéré comme hérétique, pourrait corrompre les bonnes valeurs avec un grand B. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Comme je l'ai dit, la censure est omniprésente ici, depuis tout début. Puis le bureau de censure en 1913 a été instauré, puis il règne complètement contre le cinéma de divertissement. C'est quoi j'ai écrit ça? Règne complètement contre le cinéma de divertissement grivois. C'est le même qu'on est considéré. Et je pense que je reviens avec ça un peu plus tard. Ben c'est ça, je pense, à la fin. Pause 2 secondes, je me retrouve dans mes papiers. Si tu viens m'aider. Ouais, c'est ça. Le cinéma est une invention. Ça, c'est l'Action catholique qui disait ça. Le cinéma est une invention si maléfique que l'alcool qui enfonce dans la pourriture et à la barbarie.
Où la danse qui déforme les intelligences, déprave les cœurs, pousse dans la voie de la luxure, accroît la criminalité et la prostitution. Ça, c'est l'Action catholique qui disait ça. Fait que, on s'entend que c'est pas. Ça, c'est plus tard, mais tu vois que c'est pas hier. Les années 30 sont marquées par la censure aussi, mais beaucoup parce que le Code Hays aux États-Unis est instauré à la suite d'une coupole de scandale. Puis qui pousse les institutions ecclésiastiques aux États-Unis même à questionner qu'est-ce qui se passe avec le cinéma, qu'il faut faire de quoi, que le gouvernement doit réguler ça parce que ça n'a pas de bon sens. Le code Hays, basically, c'est un code d'auto-censure instauré en 1936 suite à des scandales. Puis les autorités, ben, le monde conservateur disait qu'il faut faire de quoi avec le cinéma, ça n'a pas de bon sens. Puis. C'est un code d'auto-censure. Ce qui est spécial avec ça, c'est que c'est Hollywood lui-même qui s'est donné de la censure pour éviter que le gouvernement se mette les mains là-dedans. Aux États-Unis, le cinéma, Hollywood, le gouvernement, eux autres, les producteurs, veulent pas que le gouvernement se mette les mains là-dedans parce qu'ils savent que du moment que le gouvernement met les mains là-dedans, tu contrôles plus. C'est plutôt qu'ils contrôlent. Ils veulent que ça reste privé. C'est bon, on va la réguler, notre cinéma. Ben correct. Donc le code Hays est arrivé. Mais s'il y a une censure de Hollywood, qui est le cinéma qui est le plus écouté worldwide à l'époque, encore aujourd'hui, ça veut dire que les institutions religieuses, eux autres, vont peut-être plus un peu accepter le cinéma. Puis l'Église québécoise, en effet, dans les années 30, va commencer à mettre de l'avant une production religieuse qui va marquer vraiment historiquement le cinéma québécois. Parce que dès lors, il y a comme une petite. Il y a comme une identité québécoise qui se développe quand même, qui se fait sentir. Fait que. Mais il y a la régie du cinéma qui est solide dans ce temps-là. Je vais mettre un lien de l'historique de la régie du cinéma sur le site de la régie du cinéma. Puis je vais en parler un peu, le bureau de la censure au Québec. Parce que de 1913 à 1967, l'institution de censure a interdit plus de 7000 films. Ils censuraient tellement qu'en 1926, au temps des Quickies d'ailleurs, où les Quickies ont commencé, Hollywood a menacé de plus exporter de films au Québec. Parce que. Il y a rien qui voulait passer. On n'acceptait plus rien. Puis, écoute, ils ont banni. J'ai un article de Marc Cassivy qui résume un peu un film de Carl Perrin qui s'appelle Les Ennemis du cinéma. Le film est à BANQ, d'ailleurs, si vous voulez le voir. Écoute, Les Passions de Jeanne d'Arc étaient barrées. On est au coton de Arcan. City of Lights de Chaplin. Un jour se lève, Les Enfants du Paradis de Carné. Alexandre de Sèvres, il remonte puis il retourne des scènes à sa guise, même. Hiroshima, mon amour. Je vais revenir à Alexandre de Sèvres plus tard. Mais c'est pas drôle, là, on remonte des fins de films pour que ça fitte comme du monde. Fait que c'est bien pour dire, le bureau de censure, c'est quelque chose. Je vais mettre l'article de Cassivy dans la description. Fait que dans les années 30, c'est ça qui se passe, là. Mais flash forward de 10 ans. En 1936, flash forward de 10 ans. Sachant que j'ai arrêté les 20s vers 1927. En tout cas, en 1936, c'est qui? Qu'est-ce qui arrive en haut ici? Duplessis prend le pouvoir, premier ministre très traditionnaliste, on le connaît, qui aime le Québec quand même, pour sa naissance paysanne et pieuse, mais il tient à garder le Québec dans ses églises, tu sais. Le cinéma fait pas tant là-dedans. Mais il dit, en tout bon propagandiste, il va faire, Chris, c'est pas fou, t'sais. On va l'utiliser pareil. Ah bon. Mais ce qui arrive aussi à l'échelle mondiale, c'est un encyclique. Du Vatican, l'encyclique Vigilanti Cura sur le cinéma, qui vient fermer les livres hostiles de l'Église catholique pour le cinéma. Parce que le Vatican va faire une enquête, va écrire un document sur le. Excusez. L'encyclique Vigilanti Cura, qui va accepter le cinéma pour ce qu'il est. Puis tu vois, c'est ça, le Code Hays est instauré. Puis tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'Église fait « Ah, mon Christ, dans le fond, c'est correct, le cinéma. » Puis là, il commence à dire hey, « on va faire ça. » Comme disait notre bon ami Vladimir Lénine, « De tous les arts, le cinéma est le plus important. » Quand t'es un propagandiste, ben, le cinéma, ça compte. On sait tout ça. Bon. Ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que ça fait, cette encyclique-là? Ça fait en sorte que dès le début des années 30, l'Église catholique s'est mise à faire du cinéma. Puis ici au Québec, ben, c'est deux abbés principalement qui s'appellent Maurice Proulx et Albin Tessier. On les a déjà entendus pour la plupart qui ont fait un cours de cégep de base. Qui ont fait du cinéma, ce qu'on pourrait dire du cinéma québécois pour la première fois. Parce que
Puis, c'est ça. L'équation est bien simple. Tu as eu des scandales à Hollywood dans les années 20. Le code Hays arrive. Égale acceptation du cinéma par l'Église. Qu'est-ce que ça fait l'acceptation du cinéma par l'Église? Ça égale une production cléricale propagandiste. Puis, qu'est-ce qui se passe dans les années 30 au Québec? C'est la colonisation des régions. La Gaspésie, l'Abitibi, ces affaires-là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Les abbés, ils disent, Chris, on va faire des films sur la colonisation des régions, sur la voie paysanne, sur parce que comment on veut garder notre Canadien français dans la misère, ben pauvre, religieux. C'est ça qu'il a fait. Fait qu'on est dans les années 30. Ah oui, puis c'est ça. Mais on peut bien. Tu sais, les cinémas de Proulx puis de Tessier, c'est un peu les racines de ce qui va devenir le cinéma québécois. Dans le temps de Proulx, Brault, Groulx, pas Proulx, excuse, Groulx, Brault, Perrault, qui vont finalement, eux autres, faire des films beaucoup quand même sur le Québécois en région, puis cette affaire-là. Parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Excusez. Mais bon, ça reste qu'eux autres avaient une démarche beaucoup plus moderne, mais en tout cas. Anyway. Fait que mettons qu'on est dans les années 30 quelque part, entre la deuxième moitié de la décennie. Il y a Tessier puis Proulx qui nous sortent des beaux petits bijoux comme les deux premiers longs métrages de Proulx qui s'appellent En Pays Neuf, qui traite de la colonisation de l'Abitibi. Shout-out à Horace Lalancette. Allez voir ce film-là, by the way, de Perrault, c'est bon en crise. Puis aussi le film En Pays Pittoresque qui traite de la colonisation de la Gaspésie. Shout-out à René Lévesque. et aussi la réalité. Il a aussi réalisé Sainte-Anne de Roquemort, qui est un épilogue de En Pays Neuf, comme une deuxième partie un peu, qui est en couleur. En tout cas, la filmographie de Proulx est longue, puis j'ai pas envie de toute la parler, là, toute la décrire, ça va être inutile. Mais c'est un réalisateur de commande du gouvernement de Duplessis, fait qu'il fait des films pour le gouvernement. Fait qu'En Pays Neuf, En Pays Pittoresque, Sainte-Anne de Roquemort, j'ai tous les liens. Je vais tout mettre ça dans la description, dans la bibliographie détaillée à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir ça. Mais, En Pays Neuf sort en 1937, comme je le dis, En Pays Pittoresque en 39 et Sainte-Anne de Roquemort en 42. Mais En Pays Neuf, c'est son plus grand succès. À Proulx. Mais en 37, il y a un gars qui s'appelle Homère Parent, que j'ai découvert dans ce petit bouquin-là qui est vraiment cool. Pratique minoritaire, Guillaume Lafleur, fragment d'une histoire méconnue du cinéma québécois. Homère Parent, il sort en 1937 un film qui s'appelle La vie d'Émile Lazo. On voit le jeu de mots, Émile Zola, Émile Lazo, qui est en fait une parodie du film The Life of Émile Zola qui a été la même année qui a été interdit. Il vend, c'est un si bon. Puis c'est un film de fiction. Et c'est fou parce que là, en 1937, il n'y a pas de film de fiction qui se fait ici, là. Il y en a là, qui ont essayé, là, Homier, essayer de faire ça, mais ça, il s'est rendu jusqu'à nous autres, ce film-là. Fait qu'on peut l'écouter. Tu sais, Homier, il a fait des films, on ne peut pas y voir. Mais ça, on peut le voir. C'est le seul film de fiction. C'est le premier film de fiction le plus vieux qui s'est rendu jusqu'à nous autres. Puis, Parent, c'est un personnage quand même assez iconoclaste pour le temps, là. C'est un gars qui voyageait entre Paris, New York, puis Montréal. Puis il traînait avec des grands artistes, dont Ferdinand Léger, qui est pas le pire des cinéastes en termes d'impact historique. C'est un artiste visuel, un graphiste à la base aussi. Fait qu'il avait comme. Tu sais, t'es plus proche d'expérimentation, de l'avant-garde, cette affaire-là. Fait que si vous avez la chance d'écouter ça, le film de Life of, de La vie d'Émile Lazo, il est disponible sur une couple de banques d'archives. Fait que vous pouvez checker ça. Mais 1937, ce bonhomme-là, Homère Parent. Très important à garder ça en tête. J'ai jamais entendu parler de lui. Puis Chris, c'est cool, pareil. Fait qu'en tout cas, on va revenir à nos abbés. Albert Tessier, de son côté, lui, il réalise des films depuis 1927, même plus longtemps. C'est vraiment le OG du cinéma québécois, un peu. Il a commencé en même temps que les premiers prêts cinéastes dans les 20s. Mon cher Paul Provencher, qui est venu filmer ici, d'ailleurs. C'est à Côte-Nord, venu filmer les Amérindiens. Chris, c'est le fun. La rue Paul Provencher, ici, je me suis demandé c'est quoi la rue Paul Provencher. C'est lui, est-ce. Albert Tessier, il fait un film qui s'appelle Gloire à l'eau, qui s'est mis pas mal sur la map parce que le film a été présenté à New York, à l'International Amateur Movie Show, la même année pour. Fait que, tu sais, c'est le fun, est-ce. L'année, la gloire à l'eau.
Je l'ai pas, je l'ai tu trouvé? Je l'ai pas trouvé, je pense. Non, c'est ça, il est pas là, gloire à l'eau. Mais j'ai un film qui s'appelle Hommage à notre paysannerie, qui est sorti en 38. C'est un film style de paysan, d'église, ben oui, c'est ça. Mais ce qui est important de retenir de ces deux cinéastes, ce qui est important, c'était dégueulasse, mais c'est ça. Ce qui est important, c'est l'aspect documentaire puis technique dans leur film qui va donner un peu tout le souffle nécessaire à l'adoption du cinéma direct des années 60. À quelque part, il y a un lien à faire. Parce que les deux filmaient les Québécois d'un œil très direct, au sens où c'était des récits cinématographiques construits, surtout à la table de montage, on n'avait pas de scénario, tu sais. D'autre part, ils filmaient souvent handheld, sans trépied, fait qu'ils prenaient le son directement aussi, mais bon, au début, il n'y avait pas de son, mais tu sais, ils avaient rajouté une voix après. Mais c'est ça. Parce que, si je dis, dans l'histoire du cinéma direct, même dans les premiers balbutiements, là, dans, genre en France, on va parler de Jean Rouch ou de ces personnes-là, mais on parlera même pas tant de ces deux-là, peut-être parce que le monde s'en calisse, puis peut-être c'est moi qui l'invente. Mais David Clanfield, dans un article que je veux pas là, là quelque part, il disait que c'est un cinéma de la fidélité en opposition à un cinéma vérité. On voit un peu la différence, mais on voit quand même le lien qu'il y a à faire. C'est-à-dire que c'est ça, les deux prêtres faisaient un cinéma de la fidélité, alors que le cinéma de la Révolution tranquille faisait un cinéma de vérité. Un direct cinéma, cinéma vérité, bon, les termes s'entrecroisent un peu. Mais ça en dit long quand même sur l'impact que ces deux-là ont pu avoir. D'ailleurs, Perrault, il a refait des films, son cycle sur l'Abitibi, mais il a repris les films de Proulx. Fait que, hein, c'est ça. Mais les prêtres cinéastes ont continué à faire des films durant les 40s, les 50s. Mais continuer à parler de leur démarche, on l'a compris en général, puis ça donnerait rien d'en parler, à part si je m'attardais vraiment à eux autres. Peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode, mais pas là, ici. Puis c'est ça, c'est une période qui est quand même importante parce qu'on a essayé de développer quand même une industrie cinématographique privée. Mais à cause que l'Église avait main dedans, mais ça a quand même mieux été. Ça, parce que si l'Église a backé, fait que c'est sûr que ça a bien été. Puis juste terminer la décennie des années 30 avec un autre film important qui va lancer en quelque sorte le début d'une série de films de fiction. Là, on sait qu'en 1937, il y avait eu La vie de Émile Lazo, mais un film de fiction qui était misérable, by the way, qui est réalisé par Jean-Marie Poitevin, un autre prêtre cinéaste à l'époque. Un film qui s'appelle À la croisée des chemins. Le film est arrivé plus tard, en 1943, mais still, le film est miséreux, dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui est nice, c'est que c'est René Lévesque qui fait la narration du film. J'ai le lien du film. Vous essayerez de me dire où il parle, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez fumé de top, puis il avait 22 ans à l'époque. Fait qu'il était vraiment jeune. Mais écoute, le film est d'une étrangeté inquiétante, ça n'a pas de bon sens. Ça mélange du footage tourné en Chine, puis des extraits de pièces de théâtre avec du dubbing mal fait, puis une narration de documentaire omnisciente là, qui est faite apparemment par René Lévesque. C'est assez bizarre, ça n'a pas de mon sens. Puis là, je vais prendre une petite pause pour voir si ça record. Donc, dans les années 40-50, on est déjà rendu là, je sais même pas comment c'est le temps, mais je m'en calisse. C'est le début d'un cinéma de fiction. Dans la moitié des années 40 jusqu'au milieu des 50s environ, il y a un gros joueur qui est impossible de passer par-dessus, qui va être très très important dans les 40-50, c'est Joseph-Alexandre de Sèvres. De Sèvres a plus ou moins le même prestige que Ouimet, dans le sens où il fait partie de ces importants personnages historiques qui ont forgé profondément le cinéma québécois. At large, tu sais, c'est Ouimet, on s'en souvient, après ça, De Sèvres, tu sais, c'est les gros joueurs. Mais des gros joueurs économiques aussi. C'est pas comme Proulx où c'était juste des cinéastes qui faisaient la commission. Joseph de Sèvres, comme Ouimet, il a mis son cash, il a mis ses couilles sur la table en esti. Puis lui, il a essayé de fonder, de construire une industrie cinématographique privée encore. Mais à la différence, lui, il a fait appel à l'Église pour avoir de l'aide un peu. Mais il a créé sa propre maison de production qui s'appelle Renaissance Films, qui a produit beaucoup, beaucoup de films. Puis, en même temps que lui, il y a aussi un autre gars qui s'appelle Paul Langlais, qui va aussi lancer une production privée bien puritaine en créant Québec Production. Fait que dans les années 40-50, tu vas avoir deux maisons de production principalement. Tu vas avoir Renaissance Films, fuck you. Tu vas avoir Renaissance Films par De Sèvres, puis Québec Production par Paul Langlais.
Renaissance va miser plus les histoires originales, alors que Québec Productions va miser plus l'adaptation cinématographique de feuilletons radio, en l'occurrence Séraphin, qui est leur plus grand succès, qui était avant un radio-roman. Puis Renaissance Films vont faire des films plus de fiction originaux, mettons Le Père Chopin, ces affaires-là. Ou. Je les excite, là. Ils ont fait Le Père Chopin, Le Gros Bill, c'est eux qui ont fait La Petite Aurore. Puis. C'est ça. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais les deux vont faire des films, là, ils ont compris, ils ont dit on va faire des films pour que l'Église va accepter. Puis que l'Église va nous aider à faire. C'est ça qu'ils ont fait. Fait que personne va le mettre des bâtons dans les roues parce que l'Église est down avec leur affaire. T'sais. Toujours est-il que dans les 40s, là, le studio système hollywoodien bat son plein. Puis la Deuxième Guerre mondiale décalisse tout en Europe. Le cinéma est pris au piège entre cette hégémonie-là américaine qui prend le marché complètement, puis l'absence d'un cinéma en provenance de France. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de film, il n'y a pas de film qui se fait pendant la guerre. Fait que, il y a l'Église, bon, là, ils ont le choix de dire, ah bon, on n'a plus de films de France sur lesquels on peut entertainer puritainement nos petits bons Québécois, Canadiens, Français. Fait que les autres, puis ils voulaient pas plus le cinéma américain. On dit bon, fait qu'on va faire notre production. Puis Deceive, c'est un peu pour ça qu'il a décidé, lui, il a fait, regarde, il a écrit lui-même, il a écrit une lettre, il a essayé, là, puis Chris qui lichait le cul là, des églises pour faire ses films, puis ça a marché. Parce que lui, c'est ça, lui, il importait des films d'Europe, puis là, il pouvait plus en importer, fait qu'il fallait bien qu'il fasse de quoi, sinon, on ne fera plus d'argent. Fait qu'il décide, bon, on va y faire. Puis en 45, ben, il a fait un des premiers grands succès qui s'appelle Le Père Chopin. Qui est l'histoire d'un Français d'ailleurs, immigré ici, sa femme était morte, je pense. Puis là, c'est l'histoire du film, c'est pas une histoire vraie, on dirait que je comptais une anecdote. Puis le père Chopin, là, c'est ça, puis là, il s'en va en visite chez son frère qu'il connaît pas, que lui est un homme riche, puis là, bon, c'est ça, là, c'est basically un film Bonne Vertu versus l'argent, puis l'avarice. En 46, La Forteresse de Fédor Ozep aussi. Le père Chopin, c'était Fédor Ozep qui a fait ça. Un russe, c'est-tu, importé, ça. La Forteresse aussi. Forteresse, quand même. Ça, c'est Québec Productions qui l'a fait. Mais tu vois, il parle l'anglais, lui, il dit, on va le faire en anglais puis en français. Fait qu'en anglais, ça s'appelle Whispering City. Puis en français, c'est La Forteresse. Bon, en tout cas, on continue avec Un homme et son péché en 48. Produit par Québec Productions. On a Le Gros Bill. La Petite Aurore. Puis on va terminer même les années 50 avec Ticoc, qui est un des plus grands succès, là, qui est distribué par Deceive. Puis, ah, tu vois, Chris, je suis déjà rendu à mes conclusions. Ben ça, c'est intéressant. Ouais, les conclusions sont longues, mais en tout cas. Ticoc, puis, hey, je vais juste parler un peu d'un site qui s'appelle éléphantcinéma.québec. C'est un film qui est fait par. Qui est géré par Vidéotron, Québécois en fait. Puis on restaurait beaucoup de vieux films, genre Aurore, Ticoc, Le Gros Bill, Père Chopin. Tu peux tous les voir à cette heure. La Forteresse. Tous ces films-là sont disponibles. Il y en a plein d'autres, là. Je sais pas. J'ai pas. Je les nommerai pas toutes. Là. Il y en a plus, je connais pas toutes non plus, les années 50, mais il y en a plusieurs. Puis ils sont tous restaurés en bonne qualité. Puis vous pouvez voir ça, ils sont disponibles sur iTunes dans le fond. Fait que. Puis Chris, ces films-là, là, ils coûtent 2,5 piastres, je pense. 2-3 piastres pour les louer. Hein, on s'entend. Mais là, on est rendu à la fin des années 50 déjà. Puis j'ai comme parlé pas mal de tout un peu. Mais on peut faire un bilan de tout ça. C'est que cette production de fiction-là, qui est une production de fiction privée, c'est quand même cool un peu pour le Québec. Mais en même temps, c'est vraiment important de souligner. Puis là, on tombe dans le core quand même de c'est quoi le cinéma québécois de ces années-là? Parce que d'une part, il y a le beau côté de développer une industrie cinématographique québécoise par des gens comme Tessier, Proulx, Langlais ou Deceive. Au moins, ça permet de faire un cinéma, entre guillemets, purement québécois pour le Québécois. T'sais, c'est pas un cinéma anglophone, américain, c'est des histoires québécoises. Puis ça, mais ça va quand même finir par miner la société de l'intérieur, par. Surtout avec des joueurs comme Deceive, notamment, qui vont contrôler le cinéma comme des despotes. Tu sais, Deceive, là, il remontait les films
des films qu'elle recevait de l'extérieur, il est remonté à la fin pour que ça fitte, tu sais. Pour faire, pour pouvoir les projeter pareil, pour avoir de l'argent, tu sais, parce que sinon l'église aurait dit non. Mais, c'est ça, fait que DSF, en essayant de créer une industrie populaire, ces films sont bien acceptés de l'église. Puis ils vont plaire quand même au grand public, ces films vont connaître un succès parce que l'église a son bac, justement. Puis aussi parce que c'est le plus grand importateur de films au Québec pendant la guerre, puis ça fait de lui une espèce de despote, comme je dis. De ce qui est joué, de ce qui ne l'est pas. Puis il y a même aussi. C'est ça, ben, comme je disais, il a aussi réussi à convaincre l'Église d'investir sous prétexte qu'il allait faire des films qui prônent l'idéologie cléricale, tout ça. Voilà. By the way, Deceive a créé Télémétropole aujourd'hui, qui est TVA. Quand il est mort, ben, il a donné tout son argent dans une fondation. Il n'est pas super que ça, le gars, mais non, mais tu sais, c'est ça. C'est un. C'est qui est important, mais en même temps, tu peux pas nier le fait que ça a un mauvais côté, tu sais. Puis comme aussi à Tessier, à Proulx, à tous ces gars-là, je veux pas leur enlever rien, parce que ça veut pas dire qu'ils ont servi à rien puis que ce qu'ils ont fait était pas bon. Parce que, ou, tu sais, c'est ça, je veux dire, après tout, Eisenstein a inventé des techniques de montage soviétique sous l'argent de Lénine, puis Leni Riefenstahl a fait les plus grands documentaires, les documentaires les plus grandioses de l'histoire, sous l'argent nazi. Fait que, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que le contexte obscurantiste d'un État veut pas dire que sa production artistique est mauvaise. Quand on se fait censurer d'un bord, on compense ailleurs, je suppose. Un peu comme Omer Parent, en fait, d'ailleurs. Tu sais, tu joues ces sous-entendus, puis ça fait la même. Tu sais, Deceive, puis Proulx, c'était pas leur but d'avoir des sous-entendus nécessairement, mais ils ont quand même forgé quelque chose, tu sais. Mais comme je dis, ça finit par miner la société québécoise à l'intérieur. Puis, parce que eux autres n'ont pas le choix de faire des films un peu qui dans les valeurs de l'Église, parce que la censure est tout le temps là. Tu sais, en 1928, Dreyer, il fait Jeanne d'Arc. Puis ici, il y a un prêtre théologien catholique qui fait des documentaires réalistes sur la bonne foi religieuse. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Le gap est insane. On a tellement perdu on a tellement pris du retard à cause de ça. Ça a mis des bases, mais les bases, c'était loin, là, tu sais. Parce que le cinéma très obscurantiste, traditionnel, puis pieux de ces cinéastes-là ont fini par miner les consciences des Québécois jusqu'à la Révolution tranquille. Selon une certaine Christiane Tremblay-Davio, il serait question d'un dédoublement de la personnalité collective. Puis ça, c'est bien important à comprendre, puis c'est ça, c'est nice. Puis dans ce livre-là, ici, un livre qui s'appelle Un cinéma orphelin de Christiane Tremblay-Davio. C'est une étude sociologique du cinéma québécois des années 40-50. Puis, pour bien comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire en parlant du dédoublement de personnalité, je veux juste vous expliquer un peu les bases de son analyse. Puis, après ça, je vais terminer pas mal là-dessus, en vous expliquer un peu c'est quoi les conséquences de tout ça. Puis, en fait, c'est ça, tout ce que je vous expliquais avant, l'histoire chronologique de tout ça, permet de comprendre un peu comment les années 40-50, là où on a fait de la fiction, il y avait une industrie qui marchait. Qu'est-ce que ça a fait? Elle a dit, dans son livre, au Québec, après l'échec de 1837-38 et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'idéologie dominante de la formation sociale québécoise est celle d'une société conservatrice, catholique et rurale. Or, la classe dominante est elle-même dominée. Nous sommes en présence d'une double structure de classes différenciée par les conditions d'existence et la nationalité. La bourgeoisie canadienne domine les rapports sociaux de production, tandis que la petite bourgeoisie canadienne-française domine la structure sociale colonisée, dont la nationalité diffère de celle de la structure sociale colonisatrice. Ce qui est dit ici, je vais continuer. Cela a pour effet, sur le plan idéologique, de produire une idéologie dominante figée, déterminée par les intérêts d'une classe apathique et rétrograde, qui impose un système de valeurs hérité d'une situation dépassée, accentuant ainsi le décalage entre l'idéologie dominante de la structure sociale dominée et sa situation concrète. Ce qu'elle dit ici, c'est sa double structure de domination, c'est que tu as le Canadien, les institutions canadiennes-anglaises qui dominent le clergé canadien-français, qui lui domine le Canadien-français. Mais la couche du milieu, le clergé canadien-français, lui, il essaye de protéger ce qu'il y a dans le dessous. Il essaie de protéger la québécité, son essence québécoise, de l'aliénation, la colonisation, de la colonisation britannique, anglaise, qui fait pression, tu sais. Fait que ce que ça fait, c'est que
la classe du clergé qui nous domine, mais qui est elle-même dominée par les Anglais, ben elle avance plus. Elle reste figée dans le temps à un vieux passé, puis comme un passé mythique un peu, ou qui est pas actuel du tout, tu sais. Puis c'est ça que je dis, c'est qu'étant donné que la classe clericale est dominée par les lettres canadiennes et essaie de protéger ses dominés, elle finit par se figer puis plus avancer. Fait qu'il y a donc un décalage entre la réalité des gens, de nous, la réalité du Canadien français, puis du monde en général, puis de ce qu'ils sont poussés à penser, l'idéologie de l'Église. Ce qu'ils sont poussés à penser, c'est des valeurs très, très, très anciennes, mais t'as la modernité qui fait son travail, dire, les villes commencent à grandir, puis l'Église, elle refuse, elle dit non, il faut rester dans les régions, il faut blablabla, faut faire ça. Puis ça évolue pas parce que l'Église étant dominée, puis il n'y a pas vraiment de pouvoir, fait que ça se fige. Puis les valeurs traditionnelles dans l'espoir. Ah, c'est ça. Fait qu'ils figent à leurs valeurs traditionnelles dans l'espoir de préserver leur culture. Je sais pas si je suis clair, mais c'est comme, tu comprends, l'Église cléricale, l'Église est là, les Anglais sont là, puis le français, le Canadien français est là. Eux autres, ils nous protègent de ça, mais en nous protégeant, mais ils restent là pendant que les autres, ils avancent. Fait que tu vois, nous autres, on n'avance pas, là, on est poignés ici, là, tu sais. Puis, ah, c'est ça, là, j'avais dit tantôt comment l'Action catholique décrivait le cinéma, qui enfonce dans la pourriture et dans la barbarie, qui déforme les intelligences, déprave les cœurs, pousse à la voie de la lecture. Tu sais, je veux dire, c'est ça, le cinéma, la vision du cinéma américain pour l'Église, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait nos petits films de marde, tu sais. Puis c'est un peu ça le retard qu'on reproche souvent au cinéma québécois, voire même à sa culture at large, tu sais, des fois. Je dis pas que le Québec est retard complètement. Je pense qu'aujourd'hui, le retard a plus ou moins été pallié. Bon, ben j'ai perdu l'image, mais c'est pas grave, là. Si je suis tout le temps en merde. Bon, en tout cas, aussi, j'en étais. Enfin, j'ai perdu l'image, il y a un bout, en fait, je viens de m'en rendre compte. J'ai aucune idée quand elle s'est arrêtée. Ah, si, ça va pas bien. Anyway, Margolis. Qu'est-ce qu'on disait? C'est ça, c'est que c'est un peu le retard que le Québec a pris par rapport à ça, là, par rapport à la culture, puis toute cette affaire-là. Ce qu'elle dit aussi, c'est que sur le plan social, c'est pas bon, puis ça crée un malaise au final. C'est bon, elle dit ici, cette attitude générale, dans cette attitude générale, tout se passe comme si on acceptait sur le plan du vécu les comportements présupposés par les nouvelles normes et les nouvelles valeurs, sans accepter ces normes et ces valeurs sur le plan de la conscience. Fait que, mettons, dans la vie, tu sais, on va aller. Tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que la ville au Québec, les villes qui se développent, puis là, il n'y a plus de jobs en région parce que les villes industrielles se développent. Fait que là, le Canadien, il est obligé d'aller travailler là-bas. Puis l'Église, elle n'aime pas ça. Puis qu'est-ce que ça fait la ville? Ben, c'est le vice, c'est toutes ces mauvaises valeurs-là. Fait que c'est pour ça, là, les films dans le bois, puis ces patentes-là. Puis d'ailleurs, dans les films comme Le Père Chopin, ces affaires-là, ben, il y a ça, il y a cette apologie de la vieille vie. T'sais. Puis c'est ça, ce que ça fait, c'est que le cinéma québécois, au final, est un peu schizophrène à cause d'un refus d'embarquer dans la modernité. Puis en même temps, à cause d'une obligation de s'y tremper malgré lui, parce qu'il n'y a plus de job dans les régions. Fait qu'ils sont obligés d'aller en ville, dans le mode de vie moderne. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de définir le cinéma québécois, au final. L'identité n'est plus qu'une réminiscence, un passé, un souvenir, un paradis perdu, une terre-mère, un moi mythique et imaginaire. Ce qui n'est plus, ce que nous ne pouvons plus être, ce que nous n'arrivons pas encore à être. Telles furent l'ambiguïté et le paradoxe de notre imaginaire cinématographique. Fait que c'est ça, l'espèce de retard un peu. Puis je veux pas avoir une conclusion pas belle là, sur le cinéma québécois, parce que dans les années 60, ça va changer complètement. Parce que quand Guy Roberge, notamment, va être nommé, va devenir commissaire de l'ONF, le premier francophone à occuper sa fonction. Puis là aussi, il y a le déménagement des sièges sociaux de Ottawa à ici, de l'ONF. Ça va venir vraiment changer d'affaires, parce qu'on sait que l'ONF, ben, c'est là que le cinéma direct va rentrer. Ça va changer mes affaires, parce qu'à partir de ce moment-là, l'équipe francophone va marquer l'histoire du cinéma assez solidement avec son cinéma direct. Bon, on n'en parlera pas, là, parce que ça serait même trop long. Mais je pense que les idées de Tremblay Davioux sont quand même bien intéressantes. Puis sont encore utiles si on regarde l'intérêt qui a été vraiment l'intérêt qui a été vraiment mis de l'avant par les cinéastes des années 60 pour les régions rurales du Québec. Tu sais, comme Perrault, il est retourné en Abitibi, il est allé à l'île aux coudes. Tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose quand même. Cette nostalgie-là est restée quand même. T'sais.
Puis il y a Rhys Lalancette dans les gens d'Abitibi, puis il parle de ça, t'sais, de le retour à la terre, les cultivateurs, puis tout ça. Puis aussi, dans le dernier épisode. Oh, excusez-moi, Carlis. Dans le dernier épisode, j'avais parlé du film La Gamique de Jacques Godbout. J'avais analysé un peu en parallèle avec les idées du livre, t'sais, la dichotomie, en fait, rural-urbain, a tout le temps été là, t'sais. Puis, je vais conclure en disant ici que le cinéma québécois est loin d'être simple à comprendre au final, comme aucun cinéma national d'ailleurs, mais ce qui revient toujours à travers son histoire pré-Révolution tranquille, c'est la religion, la censure, une espèce d'impossibilité d'avancer là, à cause justement de la classe cléricale qui nous poussait tout le temps à rester pauvres, tu sais, un peu. Puis, je veux dire, moi, mon père ou ma grand-mère, mon grand-père, s'en souviennent, là, tu sais, c'est l'enfer, la religion au Québec était terriblement puissante. Bon, je suis pas là ici pour bâcher sa religion, là, mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est le passé, c'est des faits, tu sais. Puis en bout de ligne, ben, je trouve intéressant de parler de ce livre-là, surtout, qui apporte une conclusion vraiment. Parce que là, c'est beau, ben beau, là, j'ai juste fait l'histoire, j'ai relaté des faits, mais. Dans apporter une conclusion sociologique, c'est quand même cool. Puis, je trouvais que c'est ça. C'est une analyse. Je trouvais que c'était une analyse bien importante de l'histoire du cinéma québécois des années 40-50. Mais aussi, en expliquant le début, ça permet de mieux comprendre un peu comment que ça s'est passé. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, lisez-le. C'est bien intéressant. Écoute, le Québec. Le Québec, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de colonialisme, puis de nègres blancs d'Amérique. Puis, écoute, on n'a pas fini de se battre. Moi, je me bats pour la liberté. Ça, c'est des vieilles valeurs. Non, puis c'est ça. Vive le Québec libre, sti. Puis, regardez des films québécois. Il y a des bons films, même si c'est des films que. Là, je vais mettre tous les liens. Il fallait voir ça. Checker ça, Éléphant Québec, là. C'est vraiment le fun. Puis. C'est ça. Vive le Québec libre.